Max, installe-toi. Je vais juste au coin de la rue déposer tout ça aux encombrants. Waouh, stylé la coiffure, maestro. C'est pour Halloween? Oh non, j'ai passé la matinée à faire des allers-retours entre le grenier et le coin de la rue. Ce n'est pas Halloween qui approche, Max, mais le début de la semaine internationale de la musique classique. Et d'ailleurs, tu vas participer à cette grande semaine en jouant un quatuor avec... Un quatuor. C'est un morceau de musique joué par quatre musiciens. Toi, Rokia qui vit au Sénégal, Darshan en Inde et Naoko au Japon. Waouh, je vais aller dans tous ces pays pendant votre semaine du classique. Non, ce sont eux qui vont venir. Parce que cette année, la semaine internationale se passe ici. Je range un peu là-haut pour qu'ils puissent s'installer. Mais pour l'instant, vous allez travailler par vidéoconférence. Première répétition en fin d'après-midi. Commence à déchiffrer la partition. J'ai encore deux, trois vieilleries à descendre du grenier. Oh. Je vais au ciné, moi, cet après-midi. Je pourrai pas beaucoup travailler. Si on est quatre à jouer, on m'entendra pas trop. Quatuor pour piano et cordes numéro 1 en sol mineur, opus 25. De Brahms, merveilleux compositeur allemand du 19e siècle. Je reviens tout de suite. Ils sont trop balèzes, les Cosmic Détectives. Encore une enquête de folie. Grave, comme tous les films des Cosmic, d'ailleurs. Quand même, à la fin, j'ai presque deviné la solution. Moi aussi. Allez, Ralph, hein, attaque. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, attaque. Attaque, Speedy, attaque. Sérieux, Basile. Basile, avec un chien en plus. Vaut mieux partir avant qu'il nous embête. Hé, hey, regardez, c'est quoi, là? Waouh. Un cadeau de la poule aux œufs d'or. Ma grand-mère, elle a des trucs comme ça sur sa cheminée. Elle y tient drôlement. Oh là, elle doit criser, la mamie qui a perdu son œuf. Faut la porter à la police, ils retrouveront la proprio. Attendez, j'ai une autre idée. Et si nous, on l'a cherché, la mamie à qui il est? Une petite enquête comme les Cosmic Détectives. La répétition. Désolée. Hello. Bonjour, fallait commencer sans moi. Impossible, Max. Un quatuor, ça se joue à quatre, pas à trois. Bon, allez, on commence. Qu'est-ce qui se passe, Max? J'ai pas eu le temps. Et puis, je croyais qu'on ferait tous la même chose. Et qu'on ne t'entendrait pas. Mais non, Max. Dans un quatuor, chaque instrument a sa propre partie, différente des autres. Désolé, maestro. Je vous promets de travailler à fond pour la prochaine répète. Next time, good. Me, good. Bon, je compte sur toi. Trouver la mamie, c'est vraiment pas une super piste en fait. Et moi je dois vous lâcher. Faut que je bosse à fond sur mon quatuor. J'ai été trop nul. Nul? Comment ça? Nul comme détective. Les cosmiques seraient morts de rire s'ils nous voyaient. On n'a même pas encore examiné la scène du crime. T'as raison, Max. Il y a peut-être des indices là où on a trouvé l'œuf. Ouais, faut aller regarder. Mais moi je dois aider mon père à repeindre la cuisine. À tout. Allez, venez, on va trouver des indices. Place au détective galactique ninja. Oh, j'ai trouvé les empreintes de la mamie. Elle a un chien. Regardez cette trace de pattes. Vu la
la taille des traces, c'est une mamie, Yeti. T'as raison, c'est pas à une mamie qu'il appartient, l'œuf. À qui il serait alors? Au chien? Mais bien sûr. Max, tu peux venir 2 secondes? Je pense qu'on a trouvé quelque chose. C'est pas elle non plus. T'es sûr que c'est une bonne idée? Qui nous dit qu'ils passeront par là, les propriétaires des empreintes? On n'a pas le choix, il faut bien essayer quelque chose. Et avec un peu de chance... Basile? Non, je le crois pas. Mais peut-être que l'œuf, il l'a volé. Non, ça tient pas. Sinon, pourquoi il l'aurait laissé par terre? Mais peut-être qu'il a perdu l'œuf qu'il a volé. Si ça se trouve, il y en a plein d'autres des œufs en or dans sa valise. C'est pour ça qu'il s'est pas rendu compte qu'il en avait perdu, hein. Plein d'œufs en or dans sa valoche toute pourrie qui a au moins 10 000 ans. Non mais Max, tu délires. Mais non, justement, comme ça, personne peut s'imaginer qu'il y a un trésor dedans. Mais si, allez, on le suit. Mettre à la poubelle vite que tu veux pas t'entraîner avec. Tu crois toujours qu'il y a quelque chose dedans? On va la récupérer pour voir. Oh, on te l'avait dit que c'était juste une vieille valoche. Mais ouais, t'as jamais voulu nous écouter. Oh, c'est vraiment trop dur comme enquête. Demain, j'apporte l'œuf à la police. Dommage, moi j'y étais presque dans la peau des cosmiques quand on suivait Basile. Ouais. Mais on n'est pas tout à fait à la hauteur. Trop fort, Max. On n'entend que toi. Tu ne fais pas assez attention à tes partenaires. Bon, on reprendra demain. Bye. Bye. Pourtant, là, j'avais travaillé. Je suis vraiment pas fait pour jouer un quatuor, on dirait. Viens, tu as encore une minute. Je vais te montrer quelque chose qui va peut-être t'aider à comprendre. Regarde ça, Max. Je l'ai retrouvé en rangeant mon grenier. Eh bien, un quatuor, c'est une sorte de puzzle à 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et c'est en les reliant les unes aux autres qu'on arrive au résultat. Alors que moi, je pensais seulement à ma pièce. Exactement. Tu n'écoutais pas assez les autres. Or, tous les instruments sont importants dans un quatuor. Mais si, une enquête, c'est comme un puzzle. On doit emboîter tous les indices pour trouver la solution. Je vous ai pas assez écouté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indice? Un œuf en or. Basile et son chien sont passés par la pelouse où on l'a trouvé. Basile entraînait son chien à attaquer avec la valise. Peut-être que l'œuf était dedans et en est tombé. Donc il faut savoir à qui est cette valise. Où est-ce qu'il a pu la trouver? Vu son état, dans une poubelle? Ou un grenier? Ou aux encombrants au coin de la rue du manoir? Ah, oui! Quelqu'un a peut-être mis cette vieille valise aux encombrants en oubliant l'œuf dedans. Un double fond. L'œuf était peut-être rangé là-dedans. Bingo. Elle sert à quoi, cette petite clé? Il y a des initiales gravées. DB. Wouhou! On a les initiales du proprio. DB. Je crois que ce sont celles de l'habitant du manoir. Je les ai vues une fois sur sa boîte aux lettres. Alors l'œuf, il est au bizarre. Oh, moi je mets pas les pieds chez lui. On a qu'à mettre l'œuf dans sa boîte aux lettres. Non, c'est trop précieux. Allez Max, on y va tous les deux. Vous nous attendez dehors, on sait jamais.
Monsieur Barenboim, votre prénom c'est bien Daniel, et donc vos initiales sont bien DB. Oui. Hier, vous avez mis une vieille valise aux encombrants et un garçon avec un chien à la prise. Oui, je l'ai vu partir avec. Mais comment vous savez tout ça? On a fait une enquête et voilà ce qu'il y avait dans la valise que vous avez jetée. Oh, merveilleux, je pensais l'avoir perdue. Merci les enfants, c'est le cadeau d'un orchestre que j'ai dirigé il y a longtemps. Vous êtes formidables. Vous en avez mis du temps. On allait appeler la police. Pas la peine. Il a compris qu'on était des vrais détectives. Le quatuor des Galactiques Ninja a réussi sa première enquête. Yeah! Chut.